What is it about the French food culture that makes it so influential to cooking all over the world? Actually, it's a world heritage. How come top chefs from all over the world go to France to learn the foundations of haute cuisine from the very best? In order to find out the true answer, I just have to do the same journey myself. With me, I have a great companion and expert. He supplies chefs all over France with herbs that make their dishes elevate beyond the ordinary. Stéphane, je suis enchanté. Oui, très heureux de te revoir. And what we're about to embark on is a journey to 13 different restaurants behind the scenes, yes. Trying to get in with the chefs to give you the secrets behind their lives. Vous donnez tous les secrets pour cuisiner des bons produits. They're going to make you the recipes that you actually can make at home. So the top exactly. chefs of France are going to help you get a bigger stomach. Today, we'll travel to the Alps in eastern France, an area known to the Alpine community for the Three Valleys, Chamonix, and of course, Mont Blanc, to a picturesque village joining Michelin star chef Fredric Molina and his wife, Irene. Tu vois le rapace? Ben, c'est après. Yep, so we walk down the hill all the way? Yeah. Yeah, okay. Le Moulin de Léré. Oui, très bien. And he's a special chef. Donc, je suis curieux, on est venu. And I'm just as curious to meet this chef in this rural landscape. On y va? Let's go. Salut! What sets Frederick apart from many other chefs is his schooling. He and his wife worked their way around the world to find inspiration in as diverse places as Ireland, Australia, Asia, and Spain. When they then returned to France, they opened restaurant Moulin de Léré, and it took them but a year before they earned their first Michelin star. Il y a un exercice qui est passionnant et qui m'a fait beaucoup évolué dans ma créativité, c'est le repas du personnel. Un chef qui ne sait pas se nourrir, c'est un chef, je ne comprends pas comment il va savoir nourrir des clients. Quoi. La cuisine française, je pense que c'est le goût. Non, le goût, je crois que c'est propre aux Français, car nous, on est toujours à la recherche du goût. C'est pas si évident que ça. Je pense vraiment que ça nous différencie. Je suis plutôt comme ça. Moi, je suis plutôt à faire une cuisine assez light, assez subtile. J'aime bien jouer sur la légèreté, la subtilité. La cuisine, c'est les textures, c'est les éléments. En tout cas, le feu intervient beaucoup dans ma cuisine. J'aime le griller, j'aime la flamme, j'aime le fumer. Autant que j'aime la délicatesse, les textures, le craquant, c'est super important, quoi. Puis là, on a travaillé les noix qui sont sur le dessus. Ça passe deux couverts, deux LM4, deux écrevisses d'abeilles, d'un lard, tu deviens un poisson. C'est très très fin. Le toast qui est fait avec la peau, c'est très 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 fin, comme vraiment extrêmement fin. Je mange. You'll be eating and I'll be working. Now, the amazing thing is, of course, that what he does is he picks a carrot and then he transforms it into, you know, like it's like a forest fire on the plate. That's what they do. I don't know how, but it's fantastic. Moi, je ne suis pas né chef. C'est un concours de circonstances qui a fait que je le suis devenu. Par contre, je suis quand même né, ou en tout cas, j'ai grandi dans une famille où la cuisine et la nourriture avaient une place importante. On a toujours eu un jardin à disposition. J'ai grandi dans une ferme. Donc, le lait cru,
les légumes du jardin, les saisons, tout ça, c'était très normal, c'était la base, quoi. Des tomates quand il y avait des tomates, des poireaux quand il y avait des poireaux, et des patates quand il y avait des patates. La bouffe a toujours tenu une place importante dans la famille. On aimait manger, tout simplement. On aimait beaucoup manger. On aimait bien manger. Et c'est de là que c'est parti pour moi, en tout cas. Ça suffisait, quoi. Moi, je fais ma cuisine. Les plats signatures, j'en ai pas. Et puis, un plat signature, ça veut dire qu'il y a un plat qui est figé, quoi qu'il arrive, sur toute l'année. C'est pas possible, quoi. Mais en fromage, ici, tu le devines bien, on n'est pas à plaindre. Quand on est dans un pays, le fromage, on a un plateau derrière le restaurant parce que c'est inévitable, quoi. Qui essaie de représenter un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans notre vallée et un petit peu autour. J'arrive à réfléchir des fois des années sur une association ou des produits sans que ça vienne, et des fois c'est très instinctif, quoi. Et ça c'est pas quelque chose qui se contrôle. Je crois que nos carrières sont faites de beaucoup d'échecs et beaucoup d'expériences. Et c'est ça qui fait qu'on construit. Il faut bien savoir que le cuisinier, il n'a rien sans le travail qui se fait en salle, ne serait-ce qu'un bon accueil, une bonne explication de ce qu'on fait, un accompagnement, une gestion du rythme. The beauty of the restaurant is, of course, the kitchen, and there's so much more to it, because this, in order to run, needs to be maintained. It's a hotel, it's a kitchen, it's children. We are now going to talk a lot more to Irene.